Zeltafan, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite en mode terrain de jeu pour vous présenter un nouveau piège. Donc là vous voyez un sniper, vous essayez d'aller chercher, hop là vous êtes repulsé ici sur un tremplin, là vous êtes repulsé, voilà, là vous atterrissez ici et là boum dans les pièges. Donc là il y a la zone qui arrive parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à récolter les tremplins et les rebondisseurs. Donc là vous voyez que j'ai encore 26 rebondisseurs, je les ai même pas tous utilisés. Et donc là ça va être la fin de la partie. Mais voilà, sinon c'était ça le piège. Si vous voulez on le refait vite fait. Voilà, donc là vous voyez la flèche. Vous êtes naïf, bien sûr, c'est pour les bambis. Donc là vous voyez un sniper. Vous essayez de le prendre. Voilà, comme ça. Et là vous. Donc là j'ai encore de me fail. En fait, faut s'y prendre bien. Voilà. Là donc vous êtes repoussé sur un tremplin. Et là vous voulez redescendre. Et là vous êtes repoussé ici sur un rebondisseur. Et donc là vous atterrissez dans les pièges. Et donc là, tout le stuff tombe. Et j'ai juste envie de garder mon lance-roquette pour tout faire péter. De toute façon, la zone se rétrécit, alors on peut tout se permettre là. Allez, on construit une grande rampe. Ouais, là, faut que je me dirige vers le milieu de la... Mince. Ouais, des fois, ça construit pas, c'est sûr. Bon, bah, on va... Ouais, on va atterrir au milieu. Pour survivre. La prochaine fois, je pense que vous aurez peut-être une petite vidéo où je ferai une course de caddie, un trajet en caddie plutôt. Et voilà, donc ici, je suis pile au milieu de la map. Et donc dans 2 minutes, mon signe devrait être touché par la zone. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Re les mecs, c'est NoFectaFun. Donc pourquoi je dis heureux? Parce qu'en fait j'ai accordé un autre clip vidéo via l'autre clip vidéo là où je vous fais, où je vous présente un piège. Donc là je suis dans une autre partie de terrain de jeu. Donc là on va se retrouver pour une grande descente en caddie. Donc ça va jusqu'à là-bas, ça revient et tout. On va la faire en voiture et en caddie. Donc je vous propose de commencer par la voiture. Donc c'est un peu... Donc du coup on peut pas se laisser être projeté. Bon, alors au début j'avais pas de rebondisseur, donc du coup c'est vers la fin qu'on trouvera des rebondisseurs. Alors go. Essayez de pas tomber aussi, c'est pour ça, il y a des rebondisseurs. Là, hein. Un peu plus c'est chou, mais... Voilà, là vous avez pu voir, on a perdu un rebondisseur et du coup on est à l'envers. Donc je le remets dedans. Voilà. Voilà, c'est là que j'allais.
Je savais que j'aurais pas dû mettre ce rebondisseur ici. Bon, et après, bah là, les mecs, ça se termine tout simple. Alors, je vais juste aller enlever le rebondisseur là. Oh, cool, la voiture elle a le frein. Non? Attendez, faut que je fasse ça pour pas que je me reprenne le rebondisseur. Et... celui-là, ça va aider bien. Ouais, mais en... ou alors j'aurais pu augmenter. Voilà, parce que en fait, ce rebondisseur, je suis censé le prendre pour que j'arrive sur celui-là. Mais en fait, ça, j'aurais peut-être dû le reculer plutôt. Bon, alors la voiture, on la laisse sur la rampe. Alors, on va monter ici parce que j'ai fait exprès de poser un tremplin. Parce que j'avais trop la flemme à chaque fois de monter. Vous voyez, comme ça, là, il y a moins de trajet à faire. En fait, on peut dire que la voiture, elle est bridée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est dire bridée, c'est un peu qu'elle est limitée à sa vitesse. Que donc du coup on fait que accélérer sur la voiture et si vous vous lâchez le bouton la voiture elle va ralentir alors qu'avec le caddie c'est le caddie qui est projeté. Voilà, bon alors let's go. Ah, déjà premier contact avec une autre. Oh là là, comment j'ai freiné direct. Sinon j'allais passer. Là on peut dire que j'ai utilisé au moins 5000 constructions. Il y a des moments j'en avais plus donc du coup j'ai dû aller en rentrant 1000. Et après retrouver les rebondisseurs parce que j'ai eu pendant au moins 20 minutes j'étais en train de là les lamas mais aucun ne contenait de rebondisseurs. C'est seulement vers la fin que j'ai trouvé un lama avec 6 rebondisseurs et là j'étais bien. Donc du coup j'ai pu tous les placer sur le chemin. Donc du coup là c'est mieux. Franchement avec le rebondisseur ça nous propulse et tout c'est mieux. Après vu qu'il reste 7 minutes les mecs qui vous proposent et qu'on les fonce tout. Voilà on va tout défoncer. L'arrivée et le départ se rejoignent. On va casser l'arrivée. Oh là là. Oh là, c'était trop bien. L'arrivée et le départ. Attendez. On va quand même se le prendre. Ok, ça va bien. Donc là, vous allez pouvoir voir ce que c'était censé donner avec la voiture. Oh, stylé. C'était pas censé faire ça. C'était censé que ce mur-là l'arrête. Sinon c'était bien. Bon, allez, on défonce. On casse tout. Ah mais non, mais il y a encore plein de trucs qui sont raccrochés là. Bah tiens, il y a un lama dans l'arbre. Non, les mecs, en fait, on va pas tout casser, ça va être trop long. Bon, bah voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Hein.